rapports durables des caisses de pension peuvent devenir un outil stratégique. On voit des caisses qui essayent d'avancer une réponse à une loi qui pourrait arriver par rapport à l'obligation de faire des rapports sur des critères ESG, sur l'alignement climatique et sur des questions, des controverses. Donc, on voit un fort intérêt dans les caisses de pension qui commencent à mettre ces sujets à l'ordre du jour dans toutes les séances et qui se préparent pour faire leur premier rapport pour l'exercice 2023. Donc, c'est tout à fait un oui. Un rapport ESG devrait contenir une analyse sur les critères ESG, mais l'accent est fortement mis sur la partie E, environnement, et concrètement sur le climat. On va parler des tonnes de CO2 par million investi, typiquement. On va essayer de se comparer à un benchmark choisi pour la caisse de pension. Et idéalement, on mettra des objectifs à moyen et long terme par rapport à la réduction de l'impact carbone pour la caisse de pension.